C'est à compter d'aujourd'hui que les stations régionales vont présenter une nouvelle formule de bulletin d'information. C'est la collègue André Martin qui en est la chef d'antenne. Bonjour, André. Allô, Marianne. Parle-nous du fonctionnement de ce bulletin. Oui. Alors, il va y avoir 6 bulletins par jour, 2 le midi, 4 le soir. Donc, les heures de rendez-vous demeurent les mêmes à 17h58. Chaque région a encore son bulletin. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Est du Québec, la Mauricie et l'Estrie. Ça ne change absolument pas. Ce qui est important de dire, Marianne, c'est que tout le contenu éditorial est vraiment décidé dans chacune de ces régions-là. Il y a un journaliste coordonnateur et qui est maître d'œuvre du contenu. Donc, ce n'est pas ici à Québec, parce que les bulletins sont désormais produits ici à Québec, dans nos nouveaux studios. Ce n'est pas ici à Québec qu'on va décider ce qui est important au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette journée-là ou à Trois-Rivières. Donc, il y a des équipes. Ce sont les équipes qui sont les expertes de savoir ce qui se passe en région. Donc, le contenu éditorial est vraiment choisi en région. Il faut dire que ça s'inscrit tout ça dans un contexte particulièrement difficile pour les médias, il va sans dire. On sait qu'on traverse actuellement une crise dans les médias. Alors, cette nouvelle formule-là, c'est la formule qui a été trouvée carrément pour que puisse survivre cette information régionale. On sait que c'est important. On n'a pas besoin de convaincre personne à quel point c'est important d'avoir une information locale, régionale de qualité. Et Marianne, ce que ça permet quand même, cette nouvelle formule-là, c'est d'ajouter des journalistes sur le terrain. Alors, dans chacune des stations régionales, il va y avoir désormais 6 équipes de journalistes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les visages qu'on est habitués de voir, les journalistes, les équipes là, que vous êtes habitués de voir à la maison, ces équipes-là demeurent. Alors, c'est vraiment une question de survie carrément de nos médias et de notre actualité régionale. Alors, journalistes de confiance qu'on connaît bien et avec lesquels tu seras donc tous les soirs. Merci beaucoup, André. Merci, Marianne. Au revoir. Au revoir.